Aujourd'hui, on va apprendre à faire un simple cake. Pour faire la pâte à biscuits, on va travailler 95 g de beurre, 60 g de sucre roux et un demi-sachet de sucre vanillé jusqu'à avoir un mélange bien crémeux. On va ensuite ajouter un œuf préalablement battu. Une fois que le mélange est bien homogène, on va ajouter 35 g de poudre d'amande, puis 190 g de farine en deux fois et une pincée de sel. La pâte est bien lisse, on vient la filmer au contact, puis on la place au frais pendant minimum 2 heures. Une fois la pâte bien reposée, on vient l'étaler et détailler 3 carrés à l'aide d'un carré à entremets de 16 cm. Puis au centre de ces carrés, on va couper la pâte en forme de cœur. Pour finir, on enfourne 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On passe à la crème au beurre. Au bain-marie, on va faire chauffer 100 g de blanc d'œuf et 100 g de sucre jusqu'à atteindre une température de 50 degrés. Retirez du feu et placez la préparation dans le bol du robot électrique et fouettez à vitesse maximale jusqu'à ce que la meringue soit bien prise. Baissez la vitesse du robot et ajoutez 140 g de beurre mou petit à petit, puis de nouveau, fouettez à vitesse maximale jusqu'à ce que la crème soit bien lisse. Et pour finir, on ajoute une cuillère à soupe d'arôme vanille. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. On va personnaliser nos macarons qui vont nous servir à décorer notre gâteau. Pour ça, il va nous falloir de la pâte à sucre Prestige et un colorant alimentaire en gel vert. Une goutte de colorant alimentaire suffit pour faire un beau vert clair. Prenez un emporte-pièce marguerite et détaillez les fleurs. Collez-les sur les macarons avec un peu d'eau. On passe au montage. Après avoir placé notre crème dans une poche à douille munie d'une douille ronde d'environ 1 cm de diamètre, on va pocher la crème et répéter cette même action pour le deuxième et le troisième étage. Et on va enfin pouvoir décorer avec des fruits rouges, nos macarons personnalisés, des mini plaquettes de chocolat, etc. Et voilà, notre simple cake est prêt à être dégusté. Si vous avez aimé notre vidéo, pensez à la liker et taguez-nous lorsque vous faites notre recette. On adore voir vos gâteaux. À très vite !